là, j'ai les nausées, c'est terrible. Oh, oh là là. C'est fou, ça prend le ventre, tout. Bon, Mylon est à la sieste. Du coup, j'en profite pour vous parler. Alors hier, c'est vrai, je vous ai dit qu'il y a une naturopathe qui allait arriver à la maison. Donc je l'ai vue, on a fait à peu près 1h30 de rendez-vous. Et voilà, et après elle est partie et c'est là où je me suis endormie. Et du coup, je vous en ai pas parlé. Donc je vous explique. En fait, je ne savais même pas que ça existait, naturopathe, je connaissais pas du tout. Donc c'est vraiment génial. C'est vraiment... Donc pendant 1 heure, elle m'a posé plein de questions sur moi. Sur mon corps, elle m'a touchée, voir si j'avais des points avec des douleurs. Elle m'a... Enfin voilà, franchement, c'est top. Elle m'a pris en photo mon iris et en fait, elle m'a montré sur une feuille que dans l'iris, ben, en fait, on ne se rend pas compte, mais on peut voir le foie, on peut voir, je ne sais pas moi, les reins, on peut voir tout dans l'iris, voir si quelque chose va mal. Et du coup, voilà, moi, elle m'a dit par exemple qu'il fallait que je fasse un nettoyage du foie. Voilà, suite à toutes les opérations que j'ai fait, les anesthésies générales, suite à ce que je lui ai expliqué sur mon corps, ce que je ressens. Elle a dit qu'elle allait aussi me donner des plantes naturelles, enfin voilà, des choses par rapport à ma peau. Enfin, en fait, elle examine vraiment votre corps et du coup, ben, je trouve ça génial. Donc là, elle est encore en train de l'étudier. Donc, j'ai rempli, elle m'a posé toutes les questions qu'il fallait. J'ai répondu sans tabou, normalement, voilà, pour qu'elle puisse travailler, elle, de son côté. Et voilà, elle va me sortir un petit compte rendu. Là, elle va regarder, elle a pris en photo mon iris et avec son appareil à la maison, elle va regarder de très très près ben, ce qui se passe dans mon œil, dans les deux yeux. Et c'est vraiment génial. Donc, si vous êtes intéressée, elle est à Dubaï, elle s'appelle Fanny, elle est infirmière. Enfin, à la base, elle est infirmière, elle a fait 8 ans en infirmière. Maintenant, elle s'est consacrée à la naturopathie, je sais pas comment on dit, je suis désolée. Mais voilà, elle a été en infirmière, elle a été aussi en réanimation, enfin voilà, elle sait de quoi elle parle par rapport au corps et du coup elle s'est spécialisée là-dedans. Donc n'hésitez pas à la contacter, elle est très très gentille. Si vous êtes à Dubaï, c'est pas en France, voilà, donc n'hésitez pas, c'est hyper important je trouve et c'est sympa de savoir ben, où tu as des choses qui se passent dans ton corps que toi tu vois pas forcément. Non, tu l'appliques à toi. Non, tu m'appliques à moi, comme avant quand on s'aimait, tu sais. Ah ouais, mais on s'aime plus. Ah ouais. Non, c'est pas vrai, en plus je te roème là. Ouais, j'ai tu le sens? Tu le sens? Ouais, mais bon, je peux pas on peut pas faire le yo-yo une semaine oui, une semaine non, moi. Moi, je fais pour m'adapter. Je vous jure, je le roème en ce moment. Genre, je l'aime trop. Ouais, mais là, tu m'aimes trop cette semaine, mais la semaine prochaine, c'est ça qui m'inquiète. Non, je pense que c'est la fin des montées d'hormones. C'est bientôt la fin du premier trimestre. Enfin, j'espère. Ouais. Au pire, c'est pas grave. Tu sais que quoi qu'il arrive, on va finir notre vie ensemble. Oui, mais c'est pas si tu fais vivre un cauchemar au bout d'un moment. Ça va. Non, je me suis appliqué le masque. Voilà. Gamme 100% française, tout est made in France. Ma crème de jour, ma crème de nuit. Là, je viens de me nettoyer le visage avec la mousse détox, forcément avant de faire un masque. Et voilà, ça sent tout le caramel, ça sent trop bon. Tout créé en laboratoire français, les produits sont géniaux. Là, du coup, le fait d'avoir bien fait la crème, les gommages, ça m'a séché tous les boutons là. Ma peau, elle est vraiment mieux qu'il y a quelques temps. Donc, monsieur, il a fait tout après moi, hein, son nettoyage de visage et appliqué son masque, on est d'accord. Et voilà, donc il vient de partir de la salle de bain. Voilà, donc si on le suit à la trace, il a fait la mousse. Voilà, ensuite il a fait le gommage, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Voilà, bien crado, il a remis juste comme ça, voilà. Et le masque. Je comprends pas, moi dès que je finis un produit, je le ferme immédiatement, dans la seconde. Genre j'abandonne. Il n'y a rien qui te choque. De quoi il y a rien qui te choque? Là, t'as déjà mangé, putain, tu vas trop vite. Du coup cette semaine on est marseillais, on a Maëva qui débarque, elle nous a retourné la baraque, pas que, hein, elle nous a retourné des gens aussi, elle a tout retourné sur son passage, donc du coup je suis contente, il va y avoir du mouvement cette semaine dans les Marseillais. Donc du coup, je suis contente. Il va y avoir du mouvement cette semaine dans les Marseillais.